Chers amis, abonnés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2023, il est 8h04 et voici la première vidéo de l'année pour vous parler de la première pleine lune de l'année 2023. Alors tout d'abord, je vous présente tous mes voeux pour cette nouvelle année qui commence. J'espère que pour vous, euh, indépendamment de tout ce qui nous entoure, de tous les événements collectifs, mondiaux qui nous entourent, j'espère que pour vous, dans votre propre vie, euh, que cette année 2023 sera belle, qu'elle sera, euh, je dirais, douce pour vous, et puis que vous trouverez les ressources pour euh, garder toujours un regard tourné vers la beauté, la lumière, et que vous saurez entretenir les petits joyaux qui constituent votre vie. Euh, nourrir vos passions et puis euh, et puis et puis euh, soutenir euh, les êtres que vous aimez et qui vous sont proches voilà ce que je vous souhaite parce que bien entendu euh, hein, je vais pas vous faire le numéro que tout est beau et puis qu'on va vers des jours meilleurs euh, je vais pas vous raconter des sornettes de pareilles parce que vous ne me croiriez pas et vous auriez raison on est dans une époque qui est très difficile et on ne peut pas se masquer cette réalité là et euh, pour vous dire euh, je ne comment vous dirais-je je ne veux pas non plus sombrer dans, dans et basculer dans ce déclinisme qui est aussi un courant de pensée trop répandu, mais reste que voir essayer de voir la réalité en face du mieux que l'on peut sans se masquer les yeux bah c'est vrai que on ne peut avoir qu'un constat un petit peu inquiétant, cela étant dit. Euh, comme je ne cesse de le répéter, l'histoire est tragique, l'humanité a toujours connu des moments difficiles, mais elle s'est toujours relevée. Toujours, toujours, toujours. Donc, nous arriverons à nous relever de, cette, de, de ce passage, parce que, bon, il y a eu des époques antérieures qui ont été bien pires que, que la nôtre actuellement. Ça ne veut pas dire que la nôtre est rose et qu'il faille minimiser les difficultés qui se dressent devant nous et qui vont encore se dresser. Voilà, je ferme cette petite incise pour maintenant venir à l'objet de la vidéo d'aujourd'hui qui est la première pleine lune de l'année 2023. Voilà. Comme vous le savez, une pleine lune, c'est une opposition soleil-lune, c'est l'alignement à peu près soleil-terre-lune. Voilà. Alors, la pleine lune aura lieu le 7 janvier à 0h07. Vous voyez, on passe le cap juste. Euh, alors, évidemment, c'est calculé pour Paris, hein, je vous préviens. Parce qu'il faut tenir compte de l'endroit où vous êtes. Parce qu'il est bien évidemment que par rapport à la latitude longitude, euh, cette pleine lune peut se faire soit un tout petit peu avant, hein, vers les 23h, ou, c'est-à-dire le 6 janvier, ou le 7 janvier pour d'autres. Hein. Par exemple, si vous êtes à... À Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, eh cette euh, pleine lune elle aura lieu à 11h07, puisqu'on a euh, 10h, 11h de décalage avec euh, la Nouvelle-Calédonie. Je vous donne la Nouvelle-Calédonie en exemple, parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, parce que j'ai eu euh, une consultation avec quelqu'un qui habitait à Nouméa, et c'est pour ça que me reste en mémoire euh, ce décalage horaire, puisque j'avais parlé de cette prochaine pleine lune à cette personne. Voilà. Donc, euh, pour nous. Ici, c'est le 7 janvier à 0h7 qu'aura lieu cette pleine lune. Alors, une petite précision également. Euh, certains m'ont demandé pourquoi je ne mettais pas la domification hein, lors de mes analyses de pleine lune. Ben, Mais je ne la mets pas tout simplement parce que euh, si je mettais la domification, elle serait pour la France et pour Paris. Or, ni la France ni Paris ne sont le centre du monde, pas plus que le centre de l'univers. Et si je mettais les domifications, cela influencerait mon interprétation qui serait circonscrite à la France et à Paris. Or, j'ai envie d'avoir une analyse qui est beaucoup plus globale et qui s'adresse à tous. Alors, c'est bien présomptueux, mais je préfère donc euh, rester, si vous voulez, complètement sur le plan céleste et laisser un tout petit peu de côté le plan terrestre que j'obtiendrais si je mettais la domification. Voilà pour quelle raison je ne domifie jamais mes vidéos sur les cycles de lunaison. Voilà, cette petite précision technique dite, je passe maintenant à l'interprétation. Alors nous avons donc une pleine lune qui se déploie, qui prend son plein dans le signe du cancer. Alors une pleine lune dans le signe du cancer, eh bien ma foi, elle y est très bien, hein, puisque la lune est la planète, comme vous le savez tous, qui a maîtrise sur le signe du cancer. Autrement dit, c'est une pleine lune qui va être très affective. La Lune, le Cancer, c'est toute l'affectivité, ce sont les sentiments, c'est le cocooning, euh c'est l'attachement la, que nous avons au niveau des liens familiaux, euh, c'est le tissu, c'est la part de rêve. On dit aussi que la Lune, c'est l'instinct, c'est aussi l'inconscient. Bref, donc on a là une vision euh, très resserrée, très, euh, très, comment dirais-je, fragile, affective de cette pleine Lune. Alors évidemment. Elle va poser des questions de cet ordre. Euh, donc, tout le registre que je viens de vous énumérer, affectif, sentiment, sensibilité, rêve, voilà, c'est une pleine lune qui se déploie dans cette symbolique, de façon générale. Bon, et je vais tout de suite euh, poser la planète qui est complètement imbriquée dans cette pleine lune et qui n'est autre que Mercure. Voilà, vous voyez, on a une conjonction Soleil-Mercure rétrograde. Hein, le, on, le, le Mercure s'apprête à faire sa conjonction inférieure au Soleil là, opposée à la Lune. Autrement dit, Mercure donc est à prendre en considération d'une façon très aiguë. un hein, Mercure rétro, qui prépare sa conjonction inférieure au Soleil, opposée à la pleine Lune. Donc, ça veut dire que les questionnements sur la vie intime, la vie familiale, tout ce qui constitue les racines, le foyer, vont être très très importantes. Euh, et si on, on projette donc cette pleine lune dans le contexte général évidemment nous sommes à un moment où on est sur le plan je dirais de, de, de nos vies tous autant que nous sommes à nous poser de grandes grandes questions on voit qu'il y a une explosion du coût de la vie il euh, y, a, y a un climat très pesant qui pèse sur les épaules et, vous voyez la, la, la lune qui en cancer qui symbolise la famille et eh bien écoutez je vais un petit peu coller au, à, au terrain parce que la règle de l'interprétation, comme je vous le dis toujours, c'est qu'il faut contextualiser une interprétation, toujours, toujours, pour ne pas s'égarer dans des dérives interprétatives. Et là, eh bien, c'est toute la question de notre vie affective, de notre rapport au clan, à notre famille, qui vont se poser, bien évidemment, actuellement, vous avez des gens, des familles qui s'interrogent si elles vont pouvoir euh, se nourrir convenablement, pouvoir payer leur... Euh, toutes leurs factures. Vous savez, on est dans une, une période de grands questionnements. On voit que ce Mercure rétrograde qui est lié à ce cycle-là s'interroge en ce sens. En plus, c'est un Mercure rétrograde en Capricorne, donc très profond, très réfléchi. Il y a une grande gravité en fait dans cette, dans cette pleine lune parce qu'il y a une hypersensibilité qui se déploie. Autre élément aussi dont il faut tenir compte la lune, c'est le peuple, c'est le collectif. Ça, symbolise, ça nous symbolise donc tous. C'est aussi le citoyen, le peuple qui est lié dans ce cycle de l'unaison. Donc, on voit qu'il y a déjà là, dans l'ouverture de, de cette année, par rapport au contexte dans lequel nous sommes, un énorme questionnement, à la fois sur le plan individuel, affectif, sensible, et également sur le plan collectif. Donc, euh, je dirais que cette, ce premier cycle de l'unaison de l'année 2023 marque déjà un petit peu la tonalité, je, je, je m'engage beaucoup en disant ça, de ce que va être l'année 2023. Hein. Va être une année où le soleil qui symbolise le pouvoir, le roi, hein. je rappelle toujours que... Monsieur Emmanuel Macron avait comparé la fonction présidentielle au roi dans un article du Monde, hein, que j'ai toujours conservé parce que j'avoue qu'il valait sans pesant de cacahuètes euh, cet entretien. Et là, on voit l'opposition, donc le peuple face à l'autorité au pouvoir, le roi. Hein. Je caricature mon propos pour vous faire comprendre ma pensée d'une façon très très claire. Ça donne le climat de ce que, de ce que va être l'année 2023. Et je vais de ce pas euh, positionner tout de suite les planètes qui sont très très sensibles en ce sens. Je vais tout de suite positionner Vénus. Alors Vénus, elle, est en verso. Je dirais qu'elle est par rapport à ce cycle de liaison elle est plutôt neutre, elle n'a pas d'aspect, on a une Vénus qui est uranienne, donc là c'est pas forcément la Vénus la plus sensible, elle a besoin de liberté pour s'exprimer cette Vénus, donc euh, euh, c'est plutôt une Vénus indépendante, euh, c'est la belle indépendante comme je dis. Alors pour les créateurs, pour tous ceux qui ont une activité qui fait beaucoup appel au registre vénusien avec une Vénus en verso, donc une Vénus sous la marque uranienne, il y a une forme d'originalité, de, de, de singularité, il y a une forme de souffle, de liberté, voire de côté iconoclaste qui s'exprime dans cette Vénus. Et sur un plan plus intime, la Vénus verso, c'est l'amour, mais l'amour dans son expression libre. Alors je dis libre, hein, je dis pas libertinage, hein, hein, comprenez-moi bien, hein, c'est pas la même chose. Mais tout au moins, l'expression amoureuse a besoin de respirer, a besoin de son espace de liberté. Donc, on a pour l'instant une Vénus qui est plutôt belle. Hein, et qui respire, je dirais, à plein, à plein souffle, si j'ose dire. Bon. Mais je vais tout de même positionner Pluton immédiatement parce que il, est, il se trouve à être juste au milieu de ces planètes. Je vous le positionne tout de suite. Voilà. Alors on a Pluton qui est là. Voilà. On a donc cet alignement Soleil, Mercure. Pluton, Vénus. On a une conjonction toujours Vénus-Pluton. Alors une conjonction dissociée et une conjonction séparante, hein, puisque Vénus est en train de s'éloigner progressivement de Pluton. Mais on a quand même euh, un alignement planétaire, euh, trois planètes rapides et une planète lente. La lente colore l'ensemble, donc on a un climat qui est très plutonien dans ce cycle de lunaison. Hein. Et comme je vous l'avais rappelé dans plusieurs vidéos, le Soleil est en train de s'approcher progressivement de Pluton. Hein. Dans 11 jours exactement, il sera en conjonction de Pluton. Or le Soleil, lorsqu'il rencontre une planète, il met les valeurs de celle-ci en lumière. Donc on est dans un climat actuellement au niveau politique général, même mondial, qui n'est pas très rassurant. Euh, la paix entre la Russie et l'Ukraine, ça ne se profile pas du tout pour l'instant. On n'a pas du tout d'avancée en ce sens quand on voit ce qui est en train de se mettre en place. Euh, donc euh, attention, alors également Pluton en dehors de l'aspect de la guerre, c'est aussi tout ce qui constitue les sources d'énergie, c'est le pétrole. C'est également... Euh, pardonnez-moi d'aborder ce thème et tout ce qu'il y lié à la terreur mais la terreur sourde silencieuse c'est aussi tout ce qui' est lié à la menace terroriste euh, donc on est dans un climat quand même qui n'est pas très très heureux il y a quand même quelque chose de sombre dans tout cela donc euh, alors ça joue déjà dès maintenant vous voyez on est déjà à 11 degrés et demain le soleil sera à 17 donc ça joue d'un instant jusqu'aux dix jours qui suivront après la conjonction de soleil Pluton. Donc période à surveiller, à être prudent. Euh... Bon, pas, je ne veux pas me montrer alarmiste, mais éviter de trop, trop justement fréquenter les lieux publics, hein? les lieux à grand rassemblement, essayer autant que faire se peut, ou tout au moins de de ne pas trop trop s'y attarder. Bref, il faut quand même faire attention. On est dans une période qui est quand même très très lourde. Et la prudence s'impose. Euh, Vénus-Pluton, c'est puissances d'Eros et de Thanatos pour rejoindre le mythe. Hein. Et alors maintenant, je vais positionner une autre planète immédiatement. C'est la planète Mars. Important. Alors Mars, lui, est toujours en Gémeaux, comme vous le savez. Il est dans sa phase de rétro, hein. il est en train de, 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 de revenir, vous voyez, il est déjà à 8 degrés, hein. vous voyez, il a fait un sacré chemin depuis. Hein. Il est au trigone de Vénus, on a un trigone Vénus-Mars, un trigone appliquant, puisque Vénus va former euh, le, le trigone exact dans, dans 3-4 jours après. Hein. Bah là, on est vraiment dans l'aspect de ce que je vous ai dit par rapport à, à la vie amoureuse, euh, la création. Vénus-Mars est un cocktail de passion. Hein, en signe d'air, donc euh, besoin de grande grande liberté et besoin de beaucoup d'espace. Donc, par rapport, voyez-vous, à ce climat de cette pleine lune qui est quand même pas très heureuse hein, par rapport au contexte, il faut s'orienter vers cette vers ce trigone Vénus Mars qui est un trigone de liberté, un trigone de euh je ne vais pas dire d'insouciance hein, parce que ça serait même symboliquement idiot ce que je vous dis là, mais euh, tout au moins euh, allez piquer la beauté là où elle est. Voilà, Mars en verso, Mars piquer la beauté là où elle est, la prendre dès qu'elle se présente et ne pas passer à côté. Donc ouvrir grand nos yeux à l'amour et puis à la beauté. Voilà, puisqu'on a quand même ce trigone qui est très très beau. Hein, C'est vraiment un trigone de liberté. Hein. Mars sous la maîtrise de Mercure et Vénus sous la maîtrise d'Uranus, les deux en trigone, c'est plutôt un aspect qu'il faut vivre. Hein. Mars est une planète de feu qui vient attiser euh, Vénus, donc c'est de la passion. Hein. Donc actuellement, les signes d'air, euh, premier des camps, hein, sont plutôt bien servis. Hein. Également, les, les, les signes de feu, premier des camps, hein, bélier, sagittaire, il y a euh, une, une configuration qui est plutôt euh, positive et agréable. Alors j'ai positionné maintenant Jupiter pour rester toujours dans l'observation de, de cette pleine lune. Alors on sait qu'on a un Jupiter en bélier. Voilà, il est à 1 degré du signe. Et nous voyons que dans, pour cette pleine lune, on a un Jupiter qui est au sextile justement de Vénus, voyez-vous. Hein? Bon, sextile Pluton, c'est un sextile dissocié, hein, vraiment. Et puis en plus, il est, il est séparant. Bon, il est marqué parce qu'il y a la distance, mais déjà, c'est pour moi un sextile qui s'affaiblit un peu, mais on a quand même un orbe, bon, c'est vrai que on a un orbe, un orbe pardonnez-moi, euh, de 4 degrés, donc on a effectivement tout de même le sextile. Hein. Euh, donc on voit que la conjonction, donc Vénus-Pluton, est, est, est soutenue par euh, le sextile de, de Jupiter. Alors Jupiter vient amplifier, vient donner de l'ampleur. Euh, Jupiter n'étant pas un principe d'étroitesse, hein, comme vous le savez, donc il vient donner de l'ampleur, il vient donner de la vastitude à cette conjonction Vénus-Pluton. Alors évidemment, Vénus-Pluton, là aussi, vous hein, voyez, ce qui est intéressant dans cette lunaison, c'est qu'on a une Vénus qui est quand même très marquée, vous voyez, elle est conjointe à Pluton, Trigone-Mars, Sextile-Jupiter. Elle est très nourrie, cette Vénus, elle est très passionnée. Alors évidemment, elle reçoit euh, un petit peu encore des... des, des des, une énergie plutonienne. Alors l'énergie plutonienne, c'est vraiment euh, à l'amour comme à la guerre, hein, Vénus-Pluton, et avec, avec le trigone de Mars. Hein. Donc il y a un cocktail de passion, mais attention également tout de même. N'oubliez pas que Pluton, qui est mal vécu, c'est aussi des pulsions destructrices et autodestructrices. Donc attention dans nos relations, à ne pas basculer dans des relations qui, trop passionnées qu'elles seraient, pourraient conduire aussi à des relations un petit peu toxiques. Un peu autodestructrice et destructrice. Attention à tout ça, surtout que Jupiter vient mettre son petit grain de sel dans tout ça. Hein euh, il n'est pas au sextile de Mars, heureusement, j'oserais dire, là, en la circonstance. Mais euh, si vous voulez, c'est une belle configuration, mais à vivre avec une certaine forme de prudence. Et là, il faudra puiser, puiser dans ce Mercure Capricorne, rétrograde, qui est plutôt un Mercure de sagesse et d'hyper-réflexion, pour le coup. Et comme ce Mercure a maîtrise sur Mars, je pense qu'il y a les moyens de parvenir justement à contrôler au mieux et à rendre cette configuration-là de Vénus extrêmement constructive. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans mes propos. Alors, on va continuer et on va positionner Saturne. Le fameux principe de réalité. Saturne étant verso. Et pour cette lunaison, euh, ben il, est, il est féral, il n'entretient pas d'aspect, avec aucune planète, il est libre. Donc ce Saturne, qui a maîtrise sur Pluton, Mercure, Soleil, n'a jamais oublié les maîtrises, est en verso. Donc euh, il est libre, il n'a ni obstacle, il n'a ni soutien, il est libre, donc ça veut dire que il faut également puiser dans ce Saturne, qui est une planète de construction, Saturne, une planète de, de sagesse. N'oubliez pas qu'à l'origine, avant qu'il devienne chronos, Saturne était le père de l'âge d'or. C'est grâce à lui que l'ordre des jours et des nuits se crée, que le ciel et la terre se séparent. Bref. Il, est, il a quand même, euh, n'oublions jamais ça, dans la, le registre symbolique de Saturne. Euh, donc là, euh, il va falloir jouer ce Saturne sous cet angle-là, constructif, puisqu'il est libre. Il n'est en aucunement entravé et il n'est aucunement soutenu. Donc c'est à nous d'aller à sa rencontre. Euh, un Saturne uranien, euh, d'ailleurs le carré avec Uranus se défait, j'ai positionné immédiatement Uranus, tenez c'est important, vous voyez, Uranus est toujours en Taureau, mais le carré Saturne-Uranus se défait. Alors pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus Parce que bon, vous voyez, Uranus est relié à la pleine lune, vous voyez, sextile, double trigone à Mercure, mais en même temps on avait le carré, souvenez-vous, avant Saturne-Uranus. Il est en train de se défaire, il est même défait. Il n'est pas en train, il est défait. Donc ça veut dire que ce sentiment de blocage, d'oppression, d'empêchement que nous avons tous connu. À différents niveaux dans notre vie est en train de se défaire, c'est clair. Bon, ce qui veut dire que toutes les tentatives de limitation de liberté maintenant vont être très très difficiles à faire passer parce que la configuration qui a régenté tout ça n'existe plus. Autrement dit, il y a, je dirais, un ciel qui n'est plus propice à instaurer ce type de choses, c'est-à-dire que la synchronicité ne peut plus se créer. Donc, là, attention. Uranus est devenu libre et Saturne est devenu de son côté également libre. Donc toutes les lois de restriction, euh, il n'est pas du tout sûr qu'elles passent. Et pourquoi Parce que Uranus, lui, il est au sextile de la Lune, il est en harmonique, si vous voulez, de cette pleine Lune. Et Uranus, c'est la liberté. Ne l'oubliez jamais. C'est une planète d'émancipation, d'indépendance et de liberté. C'est pour ça que sur le plan mondial, souvent. Euh, Uranus régit les révolutions parce que c'est une planète qui veut sa liberté et qui veut aller de l'avant et qui veut changer les choses. Et là, on a quand même cet Uranus qui est très, très fort dans cette lunaison de la pleine lune, la première pleine lune de l'année 2023, trigone au soleil, sextile, donc en harmonique. Il vient soutenir ce cycle de lunaison. Donc, on a là une, une pleine lune qui est plutôt très, très renforcée. Voilà le, 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 le schéma pour l'instant global de cette pleine lune, vous voyez, on a quoi On a quand même un grand paquet d'harmoniques pour. Globalement, nous n'avons actuellement que des harmoniques, pour être clair. Parce que j'allais vous parler de l'opposition, mais c'est la pleine lune que nous avons là. Alors on va continuer à positionner. On va mettre Neptune, qui était la dernière et qui est en poisson. Neptune est ici. Or, oh, on a un Neptune qui fait trigone. Hein? C'est un trigone appliquant puisque la Lune euh, est à 6 degrés et la Lune avance de 1 degré toutes les deux heures. Donc, 12 heures plus tard, la Lune sera au trigone de Neptune et elle est au semi-sextile, voyez-vous, de Saturne. On a un semi-sextile Saturne-Neptune. Voilà. Alors, on sait que le cycle Saturne-Neptune euh, est plutôt un cycle qui est plutôt favorable et propice à la Russie, hein, à toute l'histoire. On a un semi-sextile qui est formé là. Et on a le trigone lune. Alors, est-ce que ce, ce semi sextile, euh, attention vu le contexte général, parce que c'est plutôt favorable à la Russie. J'espère que euh, il va pas y avoir encore des offensifs ou des, des revirements de situation qui vont encore renforcer la guerre, hein, euh, Parce que euh, on a quand même alors un semi sextile normalement est un aspect harmonieux, mais c'est toujours pareil. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de l'harmonie Qu'est-ce qu'on fait d'une configuration harmonieuse? On la sert à des dessins constructifs ou on l'utilise à des dessins qui se vont à l'encontre? C'est la grande question. Maintenant, sur un plan plus individuel, Saturne-Neptune, ce sont les forces du rationnel et les forces de l'irrationnel qui s'harmonisent. Donc, c'est plutôt beau. Vous voyez dans vos thèmes individuels comment ce semi-sextile se superpose. Alors, un semi sextile, c'est toujours un aspect très très subtil. Hein. C'est vrai que euh, il joue davantage dans les thèmes de créateurs, de gens qui puisent dans leur euh, dans leurs ressources d'imagination pour arriver à, à matérialiser quelque chose. Hein. Euh, donc euh, matérialiser quelque chose. Je vous ai fait un pléonasme, mais vous me le passerez. Mais hein. voilà. Alors c'est vrai que déjà le sextile n'est pas facile. Toujours à vivre, mais alors le semi-sextile, c'est encore bien plus difficile. Alors, il est très, très propice également pour la vie spirituelle, bien sûr. On a un Neptune en poisson et un Saturne. Saturne, c'est la planète de la sagesse, de la méditation. Neptune a à voir avec tout ce qui est lié à la spiritualité, au sacré. C'est plutôt un très bel aspect également. Hein. Il y a quand même une toile de fond dans, dans cette pleine lune qui est plutôt, plutôt positive. Parce que là, vous avez le, le, la globalité de... Vous voyez, de cette pleine lune, on a quand même une pleine lune qui est plutôt belle dans son ensemble, vous voyez le canevas. Les énergies qui circulent sont quand même des énergies constructives, mais dans un climat quand même très très plutonien. Donc attention tout de même à, à, au contexte actuel, hein, vraiment, là, de, de, de cette pleine lune du 7 janvier jusqu'aux 10 jours qui suivront la conjonction Soleil-Pluton, hein, qui va se faire dans dix jours, donc alentour du du 17. Bah D'ailleurs, je vais vous, vous faire avancer le soleil, comme ça on va en profiter, puisque je peux le faire, vous voyez. Alors, regardez, on est déjà le 10, là, vous voyez. On va continuer à avancer, on est 11, vous voyez. Normalement, vous voyez, on est le 15, là, le soleil est déjà à 21, et la conjonction se fera exacte, elle se fera donc le 19 janvier. Voilà, hein, vous voyez, il y aura une conjonction soleil-Pluton exact le 19 janvier, et là, vous voyez que le ciel, entre-temps, entre la la pleine lune que je viens de vous décrire, et le 19 janvier, vous voyez le changement de climat du ciel, comment les énergies se sont transformées. Hein on a là une Vénus qui va être au carré d'Uranus, pour le coup, la conjonction Soleil-Pluton qui est toute seule, donc libre, très forte, et on a un Saturne au semi-carré de Mercure, au semi-carré de Jupiter, et le Jupiter au carré de Mercure, hein et une lune au carré de Neptune donc on a, on a là un contexte on a un ciel qui est fortement dissonné et tout en tension le seul aspect je dirais constructif c'est le trigone Uranus-Mercure de 6 degrés qui est quand même un trigone même très 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 large euh, c'est un trigone appliquant c'est vrai mais Mercure sera redevenu direct comme vous le voyez donc on a quand même un ciel qui se dessine qui ne va pas être très 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 euh, je dirais tendre à ce moment là alors, je vais revenir à notre propos d'aujourd'hui, le 7 janvier. Voilà l'état, voilà le ciel de cette pleine lune. Donc, on a plutôt là une pleine lune qui est belle, hein, globalement. Alors, euh, euh, il faut commencer à, à, à s'en imprégner et à, dans nos vies individuelles, hein, parce qu'évidemment, il y a, comme vous savez, nos vies individuelles et puis après il y a le poids du collectif qui pèse sur nos épaules tous autant que nous sommes mais à l'intérieur de ça on a quand même nos vies individuelles qu'il faut à tout prix préserver hein, d'une façon ou d'une autre avec toutes les difficultés qu'on a hein, et que nous connaissons tous parce que ces difficultés là on les partage tous plus ou à des différentes différents degrés hein. nous ne sommes pas tous comme euh, euh, la fille de Pablo Picasso, Paloma Picasso, à pouvoir évidemment nous offrir un appartement de 21 millions d'euros sur les bords de Seine. Alors, euh, quand je dis ça, c'est pas une pierre que je lance euh, dans le jardin de Paloma Picasso, hein, mais tout au moins, voilà, on, on a quand même des strates de société où, où les gens euh, regardent le monde différemment euh, en fonction de la hauteur du balcon, hein, où on se situe. Mais vous voyez, globalement, on a une pleine lune qui est plutôt harmonieuse, donc euh, je ne vais pas noircir le tableau parce qu'il n'a pas lieu d'être noirci quand on voit ce canevas, ces énergies qui circulent. Mais il faut, je dirais, euh, créer ce canevas dans nos vies personnelles. Alors évidemment, <laughs> les plus concernés par euh, cette pleine lune sont les signes cardinaux, hein, les béliers et les balances, hein, bien sûr mais également les poissons et les scorpions, puisque ça joue par sextile. Euh, tout au moins, la pleine lune va jouer par trigone, et sextile pour le Soleil, hein, pardonnez-moi. Hein. Voilà. Mais euh, alors après, pour vous, vos thèmes personnels, comme je vous le dis à chaque vidéo, il faut euh, superposer ce thème sur votre thème de naissance, et voir dans quel secteur se déploie la pleine lune en priorité. Hein. C'est ce qu'il faut que vous regardiez. Si la pleine lune a lieu dans votre milieu du ciel, ça va toucher votre secteur professionnel. Si elle a lieu dans la maison 1, c'est vous en particulier. La maison 1, c'est la maison du mois profond, comme on dit. Si c'est la maison 2, c'est le secteur de l'argent. La maison 4, bah, c'est le foyer. Donc là, on est en plein dans la symbolique à fond. La maison 7, c'est les autres, les accords, les associations, etc. etc. Vous, voyez. vous voyez dans quel secteur... Cette pleine lune sera particulièrement euh, vibrante, particulièrement sensible. Euh, voilà, et bien écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette euh, pleine lune. Alors, le trigone, vous voyez, lune-neptune, ce sont les puissances de l'imaginaire, là, complet. Hein, complet, hein, là. On est dans le monde de l'inconscient, le monde de l'imaginaire, y a ce beau trigone, là, vous hein, voyez. Alors, il y a à la fois. Le sextile, il y a la marque d'originalité d'Uranus et tout le côté ouverture vers le monde imaginaire, le monde du symbole, l'ailleurs. Neptune, c'est un peu l'ailleurs, hein. et Uranus qui apporte sa petite note de singularité. Vous voyez, on a ce bel aspect. Alors, lune Neptune, hein, on est dans le psychisme pur. Hein. Alors, euh, peut-être que beaucoup au moment de cette pleine lune, bah, vous ferez peut-être des rêves. Notez vos rêves, peut-être des rêves prémonitoires. Euh, ça peut donner des nuits très je dirais peuplées des nuits très parlantes euh, peut-être même des nuits agitées pour certains par exemple les béliers Balance, deuxième décan au début peut-être que pour eux ça sera peut-être des nuits blanches ou des nuits un petit peu agitées je ne sais mais tout au moins il y a le trigone donc euh, euh, c'est un rapport très psychique hein. et puis vous vous rendez compte l'une n'est plus une poisson les deux dans leur signe de prédilection en harmonique, il est très fertile, très fécond cet aspect. Il est très bon à l'inspiration, extrêmement bon pour l'intuition. Bref, tout sauf le monde matériel. Hein. Mais Uranus Taureau est quand même là et apporte sa note quand même, euh, je dirais, euh, pragmatique. Hein. C'est dommage qu'il y a pas le double sexy là. Sept hein. degrés, c'est quand même large. Mais bon, il n'y est pas. Voilà la petite note finale que je voulais vous dire. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention pour cette première vidéo de l'année 2023. Je tiens à vous remercier de votre fidélité. Merci pour les messages que vous m'adressez. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous verrez le petit bouton abonner en bas à droite. N'hésitez pas à mettre j'aime si vous aimez à partager cette vidéo si vous estimez qu'elle en vaut la peine. Et puis n'hésitez pas non plus à vous inscrire sur mon site internet. Vous verrez l'adresse apparaître dans le générique de fin. Parce que je rédige aussi des articles. Et pour en prendre connaissance, il faut être abonné à mon site internet. Voilà, sur ce, je vous souhaite un agréable deuxième jour de l'année 2023. Et il est exactement 8h34. Vous voyez, je vous fais maintenant... Euh, L'horloge parlante. Belle journée à vous. Au revoir.